Félicitations d'abord à l'équipe égyptienne qui a gagné donc cette partie-là. Il faut reconnaître qu'on est mal entré donc dans ce match-là, parce que vouloir courir derrière un score de 30 points d'écart, c'était quasi impossible, et voire même absurde. Mais ils se sont battus, et vers la fin, on a perdu donc par 10 points. Ça veut dire que le match a été donc perdu vers le premier quart-temps et le deuxième quart-temps, et on a vu qu'au troisième quart-temps et au quatrième quart-temps, c'est l'équipe du Sénégal donc qui a gagné. Ça veut dire que si vraiment on avait fait deux bons quart-temps en premier et en deuxième, on ne serait pas là aujourd'hui. Ils nous ont scouté, ils nous ont regardé donc jouer, ils nous ont pris beaucoup donc sur le Sénégal, et qu'on a compris la stratégie, c'est quoi? C'est d'empêcher donc les grands de recevoir donc le ballon en bas. Donc ils étaient forts derrière, laissant donc nos grands, donc ils empêchent donc le grand de recevoir le ballon, mais on l'a compris tardivement. Mais lorsqu'on l'a compris, c'était donc de jouer à l'extérieur, on a donc mis des trois points, ils ont sorti, et nos grands aussi ont joué, et se sont régalés donc à l'intérieur. Mais je vous dis que si demain cette équipe-là, nous allons donc la rencontrer, ce ne sera pas donc le même match. Vous savez, en basketball, le coach il vient, il fait des stratégies. Nous aussi, on fait des stratégies. Mais moi, je dis, le meneur de jeu, c'est la locomotive de l'équipe. Quand nos deux meneurs, vraiment, n'y sont pas utiles donc, dans ce match-là, c'est ce qui nous a handicapés. Quand le meneur sort, il donne le ballon à l'adversaire, on n'y peut absolument rien. On le remplace par l'autre meneur qui fait donc les mêmes erreurs. Et ensuite, on a transformé un deux en meneur. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Je vous dis que si donc les meneurs étaient donc plus ou moins clairvoyants, ils sont donc dans cette partie-là, vraiment, elle allait faire un bon match. Toutes les pertes de balles qu'on a eues aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui les ont amenés. Mais je dis qu'un match de basket reste un match de basketball. Comme vous l'avez dit, les Égyptiens empêchaient nos grands de recevoir le ballon vers le bas. On l'a compris à la mi-temps et on a réagi. C'est ça. Peut-être qu'on a réagi tardivement.